Ouais, c'est fucking fort dans mes oreilles. Tabarouette. Ouais, ça, je vais arranger ça. Ouais. Hello, ici PHJV13 et bienvenue aujourd'hui sur Doorway Prélude. C'est un petit jeu d'horreur que j'avais depuis un bout. Fait que je me suis dit, m'en faire le tour. Hein, tant qu'à y être. Let's go, play. Press any key. Where is the any key? We have been assigned some cases. These psychopaths must be found. Oh shit. The other agents couldn't get them. But I can do it. Fait qu'on va sur des histoires cheloues, des cas spéciales. Tu vois où t'es croche? Ok, le gars il court déjà là. Ok. Je peux-tu... Non, je peux pas changer la sensibilité de la souris. Ok, fine. Blablabla, move forward, jump, whack, roach, ouais. Credit, non, merci. Attends, on y va. Ce jeu-là est fucking sombre en plus. On va falloir rééclairer ça un petit peu, je pense. Bon, ici, nous avons la grosse... Porte, ouais. Le voyage ne commencera pas tant que tu seras pas prêt. Qu'est-ce que t'as besoin? Une boîte pour garder tes objets de valeur. Une place pour avoir des notes. Puis un sac pour mettre les outils. I guess que... C'est par là vu que c'est ouvert. Allons chercher nos cossins. Tabarnouche, je suis en train de travailler pour un genre de culte satanique, whatever. Bon. On va ramasser nos stocks, I guess. Crouch, ouais, je sais comment croucher. C'est un peu comme un peu dans semi-fluide. Ah, ok. Oh. Il y a des trucs cachés ici. Qu'avons-nous ici? Une relique. RX, ouais, mais c'est pas. C'est sur clavier, là, c'est pas avec manette, ça, là. On va regarder s'il n'y a pas quelque chose que je suis ailleurs aussi. Non? Fine. Parfait. J'ai trouvé une relique. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais j'ai trouvé une relique. Bon, qu'est-ce qu'on a de ce boss-ci? Un petit glidi. Pas grand-chose, I guess. Bon, y avait-il d'autres choses ailleurs? Les deux autres chemins sont ouverts, eux autres. Et voilà! I guess qu'il faut apprendre à sauter, là. Puis ici, est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière la roche? Non? Non? Fine. Parfait. Let's go, on monte en soulier. En botte, d'après moi. Move forward and jump. Ouais. Run! Ok, les sauts, c'est de la map. Ok, je suis genre dans l'eau ici. Y'a-tu une sortie? Hein? Une échelle, whatever. Ok, ici, ça fait la job. Bon, il faut se donner une bonne swing puis sauter au bon moment. Hein? Mais c'était pas celle-là, ce moment-là, ça a de l'air. Bon, voilà, il fallait que je regarde où est-ce que je saute. Et voilà le livre de notes. Fine. Les sauts sont assez... La gravité a de l'air forte dans le jeu. Ah, c'était la troisième porte. Allons-y. Quel autre truc on va devoir faire? Y'a-t-il quelque chose ici? Une note! Les murs dans cette cave semblent se closing in on me. Mais quelque chose about this place seems familiar. I feel calm for some reason. My belongings, or what I think are my belongings, are here. Si je pourrais le mettre en français, ce serait bien aussi. Mais j'ai compris ce qu'il me dit, mais ça me tente pas de le traduire. C'est pas grave. Mes choses qui m'appartiennent sont cachées dans ces lieux ténébreux. Bon, qu'est-ce que tu me dis? Make your way to get to the top. Ok, il faut que je grimpe jusqu'en haut. Parfait. Non. Use the force on the rush pour pouvoir avancer in the game. Ouais. Voilà, et voilà mon petit sac à dos de... Ici, c'est pour l'inventaire. What? N, c'est pour mes notes que j'ai trouvées. Ok, fine. Fait que je peux me pousser de là, c'est-à-dire. Il semblerait que toutes les portes se soient fermées derrière moi. Ah, pas celle-là. Tu as trouvé tout ce que tu avais besoin. Regarde ton inventaire, tu vas trouver un passe pour la porte.
Inventory. Je vais t'ouvrir porte. Haha. Oh, c'est encore plus sombre, on dirait. Maintenant. There are things which are burned into my memory. My name is Thomas Foster. And my duty is to bring these four psychopaths to justice. I just hope to resist their sadistic influences. Their corrupted minds could overpower my own. I will find them. I must. Bon ben, qu'est-ce que c'est ça le chemin? Parce que là, c'est fermé. N'a pas de nombre de... Succès déverrouillé, no more introduction. Ok, j'ai fini l'introduction. Prince Eniki. Chapitre 1, la forêt of stakes. J'ai un blanc, là. C'est que ça dit stakes. Mais, oh, c'est un grand ciel ouvert, c'est chouette, c'est tout mignon, tout plein. Que devons-nous faire dans ces lieux ténébreux, obscurs? Dans cette fameuse belle forêt toute joyeuse. C'est quoi ça? Jake Gibbs, London, England, 1962. Professor of History. Suspected for the kidnapping of 17 people, disappeared in the adjoining areas of a cabin owned by his family. The missing persons have in common certain indirect factors, religions or pagan practices, foreign nationality, that are not reason enough for the local police to start an investigation. Doorways. Link the profiles of the victims to the topics in which Professor Gibbs specializes. Ouais. Ok, fine. Aster. Ah, ben c'est bien, c'est éclairé. C'est que ça, ça va jusque où ça? C'est des sunset? Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ok, non, je pensais que c'était une cinématique parce que c'est comme flasher les yeux. Puis généralement, il y a un chemin par ici, il faut croucher. On va passer par ce bord-là pour commencer. On va checker, on va saigner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quelque chose ici. Une torche. Ah, c'est chouette ça, une torche. Est-ce que je peux l'utiliser? Ah ouais, je peux utiliser la torche. Fine, je pense que j'ai trouvé un bon chemin très important. Ok, elle dure pas la torche. Quelque chose me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui s'y cache dans ces ténèbres. Une note. I'd arrived at the crossroads. I knew I had to keep going and follow his steps if I wanted to find the professor. But I found something about the place absolutely terrifying. I felt trapped, oppressed by those dark veils. And I knew that I wouldn't be able to stand a single minute lost in the darkness. I need to find a light source as soon as possible. Ça tombe bien, j'en ai une. Fait qu'en tant que tel, il faut que j'utilise tout le temps la torche, c'est ça? Fine, on va garder la torche avec nous. On va y aller mollo. Pas d'autres spots qu'on peut... Non. Éclairer, whatever. Shit, fais noir, fais noir. Il y a de là d'avoir des bruits, ça. J'aime pas ça. Elle dure fucking pas longtemps ta torche, man. Elle me gosse. I guess que j'avance. I guess. Que c'est sombre ici. Ok. Oh, no, not. Perfect. At that moment, I felt I was retracing the steps of many others like me. How did they overcome the mortal chill that lurks in the darkness? Their souls went astray and got lost forever in the shadows. Because there was another horror that scared them even more, that made them flee into the dark woods. They fled the place I'm entering. T'es en train de me dire que... les bons sons d'ambiance. T'es en train de me dire qu'il y a quelque chose dans les ténèbres ici? Donne-moi ma torche, allume ma torche. Rien dans ce coin-là, fine. Je vais attendre qu'elle s'éteigne pour le rallumer. Je prends pas de caisse. On va aller par là. Fait que... J'allais dire, il fait clair ici. Ah, fait que c'est là qui était pendu. Ouais, ok, j'ai pas... ouais. Ok, fine. Il y a tant d'obscurité dans ces lieux. Tiens, on va allumer la torche. Ici. Allume ma torche. Fais pas ta pute. Allume ma torche. Ah.
Moi, la grosse question, c'est pourquoi il reste pas allumé longtemps, sa gosse. Allons ici, les amis. Ouais, non. Ok, quand je saute, ça l'éteint. Ok, ça va par là. Il y a une putain de grosse place ici. I guess que je dois traverser ça. Sans problème. No problem, mon petit job là. Ok, fait que ce serait ici. Ou sur planche. Oh non! Écoutez, je suis nul avec les sauts, ok? Fait qu'au pire, si je peux grimper sur le bord ici, au lieu de faire le con. Voilà. Ça va mieux là. Petit guidou, on avance, on progresse. T'as boy, ça, on dirait que tu te promènes sur un bateau tout décoclissé là. Pas de l'air d'un quai, ce toit là. Peu que ça sec le camp, que ça te pète en morceaux, cette affaire là. Il fait sombre longtemps, hein? Je l'ai-tu déjà dit? Voilà. Non, merci. J'ai pas donné mon accord. I guess que c'est pas une bonne idée de t'approcher, mais je vais quand même essayer. Est-ce que c'est un deal? Ou si je me tourne? Non? Ok, je pense que j'ai pas le choix de foncer dessus. Allô? Tu chuchotes drôlement, mais j'ai pas le choix. Ah là là! J'ai tellement été effrayé parce que c'était comme un peu trop évident. Find another way, oh tabernac! J'ai pas pris le bon way. Nyeh, hein? Ça, c'est de la feinte, mon homme. Moi qui pensais que. Ouais, non. Moi qui pensais que la voie des puzzles est un peu plus compliquée, là, mais pour l'instant, ça a l'air assez facile, assez raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu flashes des yeux? Tabarnak! Je suis nul dans les sauts, ok? Voilà! Faut vraiment que je regarde où est-ce que je mette les pieds là-dedans, moi. On va pas me mettre à me promener d'arbre en arbre, là. Bon, j'ai un petit peu amélioré le gamma, là, mais ça reste encore... cheap, là. Oh non, ça va casser! Ça va casser! Ok! J'avais vu tout de suite l'autre chemin, je me suis dit, bon, il y a deux chemins, check bien ça. Hein? La feinte? Ah, t'es sérieux? Ouais, pause. Elle ne veut pas que je passe, mais je vais passer sans son autorisation. Emmenons-nous dans les bois. Wouhou! Tabarnouche, t'es pas fait mal en sautant d'ici haut, t'es... Ok! C'est comme, je vais pas tomber dans le vide parce que je suis juste sur le bord, là. Regarde, est-ce que la torche fonctionne? Ben là, là. Ouais, la torche. La torche! Did the torch work into the darkness? Ok. Non, mais je sais pas c'est quoi dans le noir, tu sais, je... Non, y a pas de note, c'est... Je prends pas de chance. Quelque chose est caché dans ces ténèbres rocheuses. Obscures, ténébreuses. T'as pas pu faire ta promenade en pleine journée? Ah oh ben ça c'est correct, éclairé, parfait, parfait. Merci, merci. Oh. Pas de niaisage. On progresse. Il me semble que l'endroit est très grand ici. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Puis de ce bord-là, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça a l'air d'une maigre grosse porte en dégâts. On va regarder par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah. C'est bien. Tout à coup, tu cours plus vite, j'aime pas ça, moi. J'ai pas appuyé sur le bouton pour l'empêcher de courir tout le long, moi, là. Là. Ah, qu'est-ce que c'est verrouillé? Ça, par contre, il aurait pu arranger ça autrement pour... Ouais... Fine... Ouais... Tu m'as presque plus effrayé que la petite fille chelou de tout à l'heure.
Y'a pas de timer là-dessus, rien. C'est vraiment quand tu piles dessus, tu fais te buter. Voilà, like a boss! Haha! Bon, ici tu es défoncé, c'est pas bon signe. Ah, Carl! Oh shit! Voilà, je les ai évités, parfait! Les coups de violon mal chier là, ça gosse les oreilles. Oh shit! Oh! Shit! Parfait! C'est pas fait niquer par tes pièges de mort. Ouais, y'a du monde qui a été torturé ici, est-ce que je vois? C'est en train de me dire que le sol est piégé ici là? Ou Ok, là voilà, y'a beaucoup eu de monde qui ont souffert ici. Et qu'est-ce que c'est ça? Hundreds of people were tortured in this timeless place. What is this castle doing here? I could swear that there were no buildings or ruins like this in these woods. Many of the victims were prisoners of war, but some are much more recent. Of those I can see, I can look through their eyes. All of them are males, prisoners, yes, but there were no wars being fought when they were caught. They were kidnapped, one by one, and brought here by the professor. Might he see himself as a righteous man, an emissary of God? I don't know, hein? Un dude chelou fait des trucs chelous, hein? C'est sa vie. Fait que là, faut que je me retape le chemin dans l'autre sens. Oups. Ah, faut que je me retape ça en plus. Voilà. Ok, j'ai comme qu'est-ce qui bouge dans le fond. Ouais, c'est évident, hein? Ouais. Oh. Petit bonhomme, le cercle, l'étoile, puis la cage. Petit bonhomme, le cercle, l'étoile, la cage. Le petit bonhomme, le cercle, l'étoile, la cage. Le petit bonhomme, et on a traversé. Wouh! On se rappelait ça dans l'autre sens, Astor. Hein? Voilà, là, ça a de l'air grand ouvert, même si. Ok, ouais, il y a des crochets au plafond. Petit bonhomme, étoile, cercle, cage. Petit bonhomme, étoile, cercle, cage. On se créerait dans un. Ok, non, c'est ça qui fait ces boules. Petit bonhomme, étoile, cercle, cage. Ouais. Petit bonhomme, étoile. Cercle, cage. Petit bonhomme, étoile, cercle, cage. Je vois fuck all ici, à part le petit bonhomme. Étoile, cercle, cage. Petit bonhomme, étoile. Oh shit. Cercle. Cage. Wouh! Oh, des mesdames tenues qui se font brûler! Il y en a qui sont beaucoup amusés ici dans ce château. Ah, voilà! En fait. C'était quoi le. Y a-t-il quelque chose ici? À ce moment, je me souviens de demander. Is all of this just my imagination? Perhaps now I should add. Or is it a figment of the broken memory of this maniac? Could the background of the tortured and murdered victims of this chamber have something to do with it? They were accused of witchcraft. Maybe something esoteric tainted their souls. And now, hundreds of years later, I'm being poisoned by their curse. This line of thought made me remember one of the details of the investigation that brought me to this place. A girl had gone missing in the proximity of these woods. An unfortunate teenager that
After some inquiries, I linked to Wiccan practices. Had she been kidnapped and tortured to pay for her heresies? Peut-être bien. Bon, à ce temps, il faut que je revienne sur mes pas, puis ça, ça va être une autre histoire, hein? Phew! Petit bonhomme, petit... Hein, quoi? Ah, oh, en plus, il flèche en double! Un peu. Petit bonhomme, étoile, un cercle, étoile, étoile, cage... Petit bonhomme. Oh, shit, man. Petit bonhomme. Cercle. Étoile. Étoile. Cage. Petit bonhomme. Petit bonhomme. Voilà. Ouf. Hey, a été touché celui-là. Wow, 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 t'as peu le tour. On les fait toutes dans l'ordre. Le petit bonhomme, le cercle, l'étoile, la cage. Après ça, on fait l'étoile, le cercle. Fuck you. Hey, ça c'est quoi là? Un endroit verrouillé. Fermer les âmes. Ok. Check ça si j'ai pas manqué de quoi sans le savoir. Bon. Petit bonhomme. Mon petit fils de pute. Petit bonhomme. C'est vrai, c'est le cercle. Cercle. Étoile. Cage. Étoile. Cercle. Tiens, oui. Allez, Suzanne, écarte-toi. Fait que là, la porte devrait pouvoir s'ouvrir. Voilà. Bon, qu'à nous, qu'avons-nous cette fois-ci ici, les amis? Oh, on peut aller saigner loin? Ça va jusqu'où, cette toile? Je suis pas convaincu. Ça me tente pas d'y retourner. Bon, l'autre bord? Non, rien pas tout. Ok, fait que d'après moi, on peut pas passer des deux bords. Allons nous promener dans les bois, peut-être? Salut! Remember having felt great relief when I left behind those sinister dungeons with their dark halls and their whispers. The presence of those accusing, tortured souls was killing me at every step. I didn't do this! Once in the clearing, the tranquility of having found an exit was interrupted by the sudden notion of my finding me once again in the dark woods. Those haunting shadows were starting to drive me insane. Still, something kept me moving forward. I knew I was closer than ever to the place I needed to find. I was determined to discover the truth. Whoever was responsible would pay for the suffering he caused. Dépêche-toi, il y a de la lumière ici! Enfonce, 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 on est pour un chemin. Le bruit du feu est chelou à mes oreilles. Où si je m'en vais? Oh, là-bas. Là-bas, 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 là-bas. C'est un chemin qui est pas ici, de bâton. Ok, par là peut-être. À moins que je tourne en rond, je sais vraiment pas où est-ce que je m'en vais, sérieux. C'est fou, hein, cette place-là. Ah, qu'est-ce que je viens de tourner en rond? Ouais, je viens de tourner en rond. Peut-être qu'ici. J'ai entendu des chuchotements, j'ai pas d'apprécié les chuchotements. Pourquoi il fait tout noir? J'ai pas de... La maison de la sorcière! Tout d'un coup, tu décides que tu marches. Tu sais, le jeu vidéo qui décide à quelle vitesse tu vas, là. Le petit saperlipopette, là. Puis, I guess, bien évidemment, que je peux... Ah, ok, là, puis, je pénétrerai, non, ça me tente pas d'aller dans cette maison-là, de toute façon. On va aller par le petit chemin. Qui mène à la petite cabane dans les bois, tout décocrissé. Et... Ouais. Est-ce que j'ai manqué un bout, là? The keys! Ouais, ça me tente tellement d'explorer cette maison-là. Allons dans une vieille maison toute pétée. Veux-tu bien me donner ma clé? Hein, toi? Ah ouais, donc. Oh yeah, je suis fermé là-dedans. On est dans le projet Blair. On est rendu dans un endroit un peu plus évolué technologiquement. On a passé d'un...
Le château et une maison antique électricité. Wow. Est-ce que c'est moi qui t'étais ou... Non, oui, peut-être. Mais tous les bruits chelous, ça va faire là, j'ai même pas rien vu, t'es par là, je cave. Ouvre la porte des ténèbres. Allons-y. Ok. Je me demandais si ça allait s'ouvrir, moi je suis cave. Je trouve qu'il fait sombre par ici. I feel I've been in this place hundreds of times before, but I'm sure this is my first time here. Until yesterday, the existence of this hideout was mere conjecture. The applied engineering on these torture machines is astounding. What type of mind is that brilliant, and at the same time, that twisted, that it can design systems so efficient in dealing pain and affliction, having to go through the function of every piece of the machines is torture itself. I can feel the despair of the victims while the professor methodically assembles each part, making them watch, making them imagine the pain before provoking it. But I must do it. I have to follow every step in his memories as accurately as possible, because that's the only way to feel what he feels, to see what he sees, and then find him. Not only physically, but spiritually as well. This is the price I have to pay to get him. Make him pay for his crimes. Ouais, y'a des limites à se mettre dans les souliers des autres, hein? Qu'est-ce qu'on est... Ah, y'a de la lumière tout à coup! Wow! Ah, ok, ça visse derrière la tête, ça! Oh! Ça écrase la tête! Oh! Pis ça, ben, ça écrase les jambes, I guess? Pis ça, ben... Oh, ben, ça, c'est pas compliqué, ça tire les deux bords, pis ça écrase sur les pics! Ouais, tu veux pas avoir envie d'aller aux toilettes sur une chaise de même. Qu'avons-nous de fancy ici? Ok, il faut quelque chose pour interagir avec ça. Ouais, non. Fait qu'on va aller voir par là. C'est ce chemin qui est tout seul, là. Des bruits d'ambiance me niquent plus les oreilles que d'autres choses. Oh shit, what is that? Oh. Ça fait penser à d'autres choses en même temps, mais bon, chacun ses idées, hein. Tout le monde a droit à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ceci? Est-ce que c'est le morceau qui va avec l'autre? Je sais pas. On va les voir quand même un peu plus loin, là. Bon, ça bloque ici. Oh là là! Des morceaux de ces cossins de torture. Fine. Fait qu'ici, on a quoi? J'ai comme fourré pendant une seconde. Ça, le vilebrequin à cervelle. À coups. Excusez-moi. Oh, un autre morceau de cossin. Ouais, on va réinventer les machines à torture, c'est merveilleux. Ok, c'est tout. Hein. Bon, Esther, voilà. C'était le casse là, celui qui est pour la tête, il manque le casse, c'est ça? Ok. Alors, en fond, ce que j'ai fait, j'ai été là. Ok, j'ai fait toutes les places. Bon, qu'est-ce qu'on a qui peut aller là? Peut-être ça. Peut-être lui aussi. Manque de choses. Ah ouais, c'est là le... Ok, ah. La ville brûle. Ok. Un beau souvenir, hein. Ouais. Puis ici, je sais pas, il manque de quoi. Ok, il manque de quoi. Bon, j'ai pas tous les morceaux, dude. Faut que je ramasse les morceaux qui me manquent. Non, c'est pas ça, hein. Non, ok. C'est pas ceci, c'est pas celle-là, c'est bloqué drette ici, drette là. En plus, le plancher de son sous-sol, il est tout croche, il est même pas drette. Hey, ça n'a pas d'allure, juste trouver un morceau d'un seul. Là. Les autres, je sais pas en tout où est-ce qu'ils vont, ni qu'est-ce que je fais avec. Tu manquais des trucs, moi, en m'en venant ici? Oh, j'ai manqué des trucs en m'en venant ici, moi. Oh, j'ai manqué bien des trucs, moi. Bon, je pense que j'ai... Oh, mais Corollis! Excusez-moi, hein, ça faisait un bout que j'attendais plus rien, moi, là, à part des bruits bâtards depuis tantôt. Ah, oh, pis ça, c'est un des chemins que j'avais pas été. What the fuck? Mais non, me semble, oui, non, je suis plus. Bon, I guess que toi, tu manques... Je sais ce qui te manque. Il te manque ça.
Ouais, des heures de plaisir, hein. Bon, ici, voilà. Bon, un autre de fait. Oh, on a les bruits de craquement pis tout en plus. Ouais, il y a quelque chose là-dedans. Oh non, ok, c'est juste le... Ouais, c'est moi qui est grave, là. Parce qu'il fait sombre à mot, t'as dit, comment tu sais, je le vois. Ok, il manque un autre bout. Ça, peut-être. Oui! Oh, ça doit déchirer quelqu'un, ça. Fuck me, j'ai pas rien. Moi que je mette ça. Mais oui, il fallait que je mette ça, là. Ah ben, j'y vois, j'ai réussi à le faire, ces puzzles-là aussi. C'est pas trop compliqué, un ascenseur pas fiable en plus. Ah ouais, let's go! Succès déverrouillé, chapitre 1, clear. Oh yeah! I wish I could forget about all those horrible places. I'd rather have them as my own memories, and not this mix of feelings. My mental privacy has been compromised, and at the same time, I feel guilty as someone who regrets having stolen something precious from its rightful owner. Which was the fate of the professor? What kind of punishment would make him pay for the suffering and the deaths of his countless victims? Bonne question, mais moi je vais finir la vidéo ici. Merci d'écouter, likez si vous aimez, abonnez-vous si c'est plus de contenu et à plus.